également le président de la République, son excellence le président Faustin Archange Touadéra, pour la confiance accordée. Également le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Félix Mouloua, qui a bien voulu que je sois la remplaçante de ma soeur de combat depuis Paris. Hein. Elle a commencé à combattre avant et j'ai suivi le mouvement après. Donc pour moi, c'est un réel plaisir de la remplacer parce que je sais qu'elle a fait du bon boulot. Elle m'a reçu à l'époque où j'étais au musée Boganda. J'ai pu faire un magnifique reportage là-bas qui est passé sur les réseaux sociaux. Donc c'est forcément ce sera difficile, mais ce ne sera pas impossible. Oui. Donc je compte sur chaque collaboratrice et chaque collaborateur parce que j'ai besoin de vous. Mais vous aussi, vous avez besoin de moi. Donc il faut que nous puissions travailler en symbiose pour que le président de la République ne puisse pas regretter la confiance qu'il a placée en moi. Je ne suis que de passage comme ma sœur, ministre sortant. Demain, je me serai peut-être, je serai ailleurs. Mais il faut que nous puissions réussir ensemble cette mission pour que le président ne puisse pas regretter la confiance qu'il place pour la jeunesse. Donc, je lui souhaite un bon vent. C'est une femme de terrain et je sais que le meilleur l'attend devant. Donc, après, nous aurons le temps de discuter. Ma porte a intérêt à rester grande ouverte afin de vous recevoir les uns et les autres et de discuter. Donc, du plus grand, si je puis dire ainsi, au dernier ou au plus petit, je serai disponible à vous recevoir afin de discuter des défis à relever, de tout ce qu'il y a à faire au sein de ce département. Je vous remercie. D'accord. Madame la ministre, ouais. Nous allons faire une congratulation groupée, puisque les gens sont nombreux. Elle n'a pas leur serré la main. Tout comme ça, donc, nous allons faire une congratulation groupée. Merci. On va suivre une interview. Thank you.